DJ. DJ il est où? À droite là. Parce que ouais, là on a mis Cassidus où il était assis, donc ce sera lui, donc là c'est DJ. Qui c'est DJ? C'est DJ. Allez, on est bon. On est bon. Allez, on est de retour. Ça se regarde comme un chapitre. Ça vient. Comment il a branché? Il a branché. Ouais, tu l'as branché, c'est là. Nickel. Non, mais il l'a vu. Donc là, le match tant attendu. On est bon, nous on est bon. Bien, ouais. Fort Calquier versus le Wakanda. Attention. Alors, moi je veux un max de salière sur le chat. Parce que là, ça va y aller. Ouais, balancer. Là, ça va être yodé. Alors, attends, est-ce que ça part sur un gigas? Alors. Oh, il prend gigas. Je m'attendais à un Marden, donc ouais, il reste sur son Devil gigas. Devil reste sur son gigas. Gigas, je sais pas comment on prononce cette merde. Moi je dis gigas. Il y en a qui disent gigas, je sais pas. Bah c'est Tekken. C'est la nouvelle version. En fait, c'est dans le lore de Tekken, apparemment, si j'ai bien suivi, c'est un nouveau robot qu'ils ont créé pour dépasser Jack. En fait, c'est pas un robot, c'est une fusion entre un homme. C'est un genre de cyber. Alors, allez, attention, le combat. DJ versus Devil Panther. Non, Devil Panther et pas Black Panther. Panther. Alors, bizarrement, DJ, il a pas beaucoup de fanbase. Hein. Allez, c'est parti, fight. Allez, c'est parti. La bête contre la capoeira. Non, mais les deux se connaissent. Match brésilien, hein, les deux personnages dans le nord sont brésiliens. Oui, c'est vrai. Voilà. Allez, donc Devil qui est en dessous. Voilà, en dessous. Voilà. Allez. Voilà, c'est ça. Il y a un fou qui dit qu'on a une chance inouïe de commenter ce match. Ah ouais? Apparemment. Vous n'imaginez pas la chance que vous avez de commenter ça. Vous n'imaginez pas la malchance que vous avez que ce soit nous qui commentons. C'est surtout ça. Vraiment. On s'en excuse. Mais voilà, alors DJ, qui s'y met? Allez, 1-0 pour Devil. Allez, ça cogne. Alors DJ, tu peux pas perdre ce deuxième round. Non, non, ça se regarde beaucoup, joli. Allez, c'est parti. Le truc avec Kelvin, c'est que c'est un joueur redoutable. Il sait qu'il fait une vraiment et il félicite même les joueurs en face de lui d'avoir réussi à faire ça. C'est vraiment impressionnant. Même les lancements de tête quand il se fait toucher, c'est bon. Sauf que Kelvin, je le connais, des trucs comme ça peut passer. C'est pas passé là, mais ça peut. Il a le sourire, c'est ce qui compte. Toujours. Non, mais Gigas, il le connaît, il le maîtrise. Vraiment, c'est dur. Mais je comprends pas pourquoi il est pas passé sur Marvel. Apparemment il avait décidé. Voilà. Merci. Bon soutien. Mais il y a 3 heures de décalage. Oui, c'est ça. Ah, salez-moi tout ce chat là. Salez-moi les salières. Et voilà. Voilà. La team Overcraft qui représente. Fort Calquier, on l'entend pas trop. Du sel, des pop-corn, c'est tout ce qu'on veut. Là, ils sont sponsorisés par la baleine. La baleine. Celle de la baleine. GG Lyon, merci à toi, Gecko Yako. Golion. Golion, j'adore ce lion avec un 6-9 à la place du haut. Là où sans la street. C'est ça, c'est la street. Et c'est pas fini, il y a 2-1. C'est bien. Voilà. C'est ça qu'on veut. Détruis-le nous. Hop là. Allez, ça passe pas. Ça se laisse pas avoir. Oh! Est-ce que ça va tuer? Est-ce qu'il y a le mur? Non. Oh! Jolie remontée. Très jolie remontée de DJ. Très jolie remontée de DJ. DJ
un très bon jeu. Un shop, ça passe. Ils se connaissent, ils se connaissent. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Deuxième shop qui passe. Ça sent le point pour DJ. Ça sent le point pour DJ. Moi je prends le Kid. Team Overcraft. Qu'est-ce que tu fais, DJ, il est là. Allez, premier point pour DJ Ghost. Voilà, il est fier, il est fier. DJ qui défie son public derrière. Kevin qui le félicite. Facile D4 3 enfin, tout à fait le D4 3. Oh, t'as vu Mercedes? Allez bim, 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 bim. Kelvin, il est drôle. Aïe, aïe, aïe. Allez, attention, hop là. Oula, ça rage de l'autre côté là-bas. Ouais, mais ça tape sur quoi? La table. C'est salé. Hein, c'est, oh, c'est salé de l'autre côté là-bas. Il y a des matchs. On entend des cris, des tables, ça tape sur la table. Ça va s'enrouler. Oh, c'est insultant! C'est violent là-bas. Excusez-nous, il y a eu un petit souci à côté. On n'était pas focal sur un match. Je suis pas très concentré, effectivement. Enfin bref, donc, on revient sur Kelvin qui met, mais comme le disait Romain, hein, des fois, tant que t'es pas mort, ça peut encore changer. Ah bah, on l'a vu plusieurs fois là, aujourd'hui. DJ Sonia, pense à toi. On va tellement connaître le. Private joke sur cette Sonia, c'est magique. Oui, c'est vrai que cette Sonia revient souvent hein, dans les chats. Ouais, c'est Mythos qui gueule. Ouais, qui se détend un peu. Il râle, il tape sur les tables, il insulte depuis tout à l'heure, je sais pas ce qui se passe. Et voilà, allez. Voilà. Allez. Kevin qui revient. David Panther qui égalise. Face au troisième. Ouais, DJ il a pas peur. Il attaque directement. Il s'est pas. Hop là, allez. Joli de choper. Ah là là, joli. Oh, allez, ça peut finir, ça peut finir. Attention, ça va attaquer dans les jambes, ça va attaquer dans les jambes. C'est coupé, c'est coupé. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe avec les petits Overcraft aujourd'hui? Les Lyonnais, là, tout ce qui se passe au live, ça fait pas malheur. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, voilà, ça c'est un bon. Allez, ça c'est un beau combo de départ, ça. Voilà. Très beau combo de départ. Voilà, ça commence bien. La bête est lâchée. Attention, attention les lots, parce qu'on sait que notre cher ami Eddy aime bien taper en combo dans les pattes. Attention, attention. Oh, oh là là. Oh, oh mon dieu. Qui nous fait 2-0 pour DJ. Qui nous fait 2-0 pour DJ. 2-0. Moi tu rentres à la maison. Kelvin n'a plus le droit à l'erreur. Clairement. Oh, le gagnant.
Il n'a pas besoin de toucher plus vite. C'est clair, les combos sont tellement puissants. Allez, ça, ça passe. Ah, attention, attention. Restons concentrés. Il ne faut rien lâcher. La chope qui passe, dommage. Ce serait dur. Ce serait très dur pour les Lipanthères, 3-0. Kevin qui a un sacré niveau malgré tout. Chop qui passe. Il suffit que juste quelqu'un place un combo, il va pas le retard en 2 secondes. Ah, mais bien sûr, ouais, ça. C'est réglé. Ouais, c'est vraiment, il joue super bien la défense, des chopés parfait. C'est clair. Deuxième des chops. Il lâche rien, il perd pas. Là. Il a un très gros niveau. DJ a un très très gros niveau. Regardez DJ, son visage est totalement sort. Il maîtrise son perso, et dit ça fait dans les années. En un combo, il a rattrapé instantanément. Voilà. Mais c'est pas fini, c'est pas fini, ça tue pas. Ça ne tue pas. Là, ça tue pas. Allez, balle de victoire pour. Balle de victoire pour DJ. Pour un 3-0, ce serait. Allez, boum. Oh là là. Ah oui, c'est ce que je me disais aussi, quelques Yako. Je pensais qu'il a sorti Judas. Est-ce qu'il est un peu plus serein parce qu'il le base de prendre sur le tournoi. On va savoir. Mais en tout cas, allez, c'est bon. Allez, il va prendre serein. Ça, il peut le prendre. Voilà, l'honneur est sauf. Allez, El Romontada. Hein oui, on y croit. Et ça finit à 3-2. Ouais, c'est ça. Ah bah là c'est la moindre erreur est fatale pour lui. Là c'est terminé. Il ne prend pas trop de risques. Non. Là ça va être très très dur. Deux murs. Attention. Oui. Il faut pas qu'il lâche. Oh merde. Putain. Victoire de DJ. DJ Goss 3-0. Qui fait la belle. Merci Afro. Bon ben, c'était dur. Pour David Panther, c'était très dur. C'est pris un 3-0, mais il s'est bien battu. Il le méritait vraiment pas parce qu'avec son niveau, on a. Enfin, moi je l'ai vu dans des tournois où on voyait qu'il avait un niveau qui était colossal. Face à DJ, on avait l'impression qu'il avait aucun moyen. C'est ça. Incroyable. Non, mais Kevin, de toute façon, qui est un très très bon joueur, hein, on va pas se mentir. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu lui et tout ça.